Well, we are in Lausanne with the five teams that made it to the final stage of the Pangaea X project. The five teams worked for the last 5 months on their project, and this weekend we are giving the final workshop to them with experts in all different fields, teaching them what is important to make an idea become reality. It's going to be an exciting weekend. Il y a 10 ans, j'ai amené plus de 200 jeunes avec moi autour du monde pour leur montrer la beauté de notre planète. Aujourd'hui, je relance l'aventure. Pangaea X, c'est un programme qui soutient les jeunes dans leurs idées de projets pour la protection de notre planète. De délibérer pour sélectionner les 5 projets. Enfin, moi je suis juste les discussions et pour aussi pouvoir donner les feedbacks ensuite aux 10 équipes. Dans les années 30 à 60, la plupart des filets de pêche étaient en chanvre. Ça coûtait extrêmement cher parce qu'ils ont une durée de vie qui est beaucoup moins et il n'y a pas plus en fait optimisé que l'industrie de la pêche. Le grand moment est arrivé. Je commence et j'annonce la nouvelle et toi tu rebondis avec les arguments. Quoi? Ok, ça marche. Ce que tu peux aussi dire, et moi je dirais, c'est que c'est pas, ça dépend pas que d'eux, ça dépend aussi des autres équipes. Il n'y a que 5 places. S'il y avait eu 6 places, ils auraient été probablement dedans. C'est parti. Le moment. C'est horrible, c'est, j'ai l'impression que c'est genre la sentence. C'est... Ouais. Attends. Juste 2 secondes. On appelle l'équipe, ensuite on envoie un message au coach juste qu'il puisse backup après l'équipe s'ils veulent le débrief avec. Ouais, je vais prendre après. Vas-y, on appelle. Non, attends. Elle est trop relou. Hello. Salut. Hello les filles. Coucou. Hello. Salut Samy. Hello salut. Tom. Salut Tom. Hello Aline. Bon, alors déjà pour commencer, je voulais vous faire un grand bravo pour votre travail. Vous nous avez bluffé, je pense que votre rapport il est très complet, vous avez beaucoup travaillé et ça s'est vu. Malheureusement, vous n'avez pas été retenu par le jury. 2 fois j'ai été finaliste d'un concours de start-up et les 2 fois j'ai pas gagné. Et les 2 fois j'ai arrêté mon projet. C'était chaque fois un projet différent. Et voilà, puis c'est un truc que je parle souvent avec d'autres personnes qui sont dans des programmes d'accélération où en fait, le problème de ces programmes, c'est que si t'es pas pris, tu crois qu'il faut arrêter. Et c'est juste un petit message pour vous dire, ben, je sais que ça casse les couilles de... C'est chiant et on remet en doute notre idée, mais au fond, si vous avez encore la niaque, si vous avez encore de l'énergie, et si vous avez cette énergie qui est un peu frustrante aujourd'hui, si vous pouvez la tourner en positif pour en faire quelque chose et continuer, ce serait ouf. Pangaea X, on est une communauté et c'est ce que je disais, c'est que vraiment moi mon objectif c'est qu'on reste tous soudés, qu'on reste en contact et que justement on s'entraide les uns les autres pour tous les projets de chacun chacune. Hello Claire. Hello. Hello Victor. Hello Mathieu. Hello Maë. Hello. Malheureusement, le jury ne vous a pas sélectionné. Ah ouais? Non. Oh dommage. Non mais c'est une blague. Mais c'était pas mon idée, je voulais pas le faire, mais c'était Max. Non, vous avez été sélectionné pour poursuivre. Mais j'ai dit que c'était nul son idée, mais il a pas voulu m'écouter. Du coup voilà, bravo, vous avez été sélectionné pour poursuivre l'aventure Pangaea X. Wow, excellent. Ouais. C'est trop cool. Vous avez bravo. Fait du bon travail. C'est trop cool, Laurent, merci beaucoup. Enfin, je suis trop contente. Merci beaucoup de me donner cette chance. Désolée, vraiment, je suis trop émotive, mais ça compte énormément pour nous. Continuez sur cette lancée, vous êtes sur la bonne voie. Et on se voit le week-end du 2-3 juillet. On est arrivé.
ça c'est quoi des shorts pour aller à l'église encore? Trop fancy ça, hein? C'est trop... des shorts de sport. Ça c'est bien rangé. On s'est tombé de partout au début. Ça va toi? Enfin? Ça va vous les gars? Bah nickel. Ça va? Vous avez bien salut! Ça va? Tranquille. Salut Hugo. Bien arrivé? Yes, yes, bon, nickel. Et voilà, on est au deuxième workshop de Pangaea X. Et pendant ces deux prochains jours, les équipes, elles vont aller un peu plus en profondeur sur ce qu'elles ont déjà fait. Elles vont s'attaquer à d'autres questions, leur recherche de concurrence, budget, etc. Et on commence avec simplement des retrouvailles. C'est aussi une grande famille qu'on est en train de créer. C'est pas juste des projets, mais c'est une expérience unique. On a aussi Mike qui est là, qui les accueille. Et puis, une petite mise en bouche, une petite mise en warm-up avec un gros exercice sportif orchestré par Mike Horn. Pas avec moi, posez votre verre maintenant. T'as bouffé, t'as... Viens. On y va, maintenant. On va faire un relais. Là, vous avez les lumières. Vous allez partir par deux. Et c'est la première personne qui touche la lumière que Annika aura annoncée. Vous pourrez ensuite partir et aller toucher le buisson vert qui est pile en face de moi avec le petit rebord. Et revenir et taper dans la main de votre coéquipier. Go! Allez, c'est les bleus qui sont gagnés. Ici au campus de l'EPFL où on va parler de business plan avec Cyril Deléval et Quentin Galéa qui sont là pour accompagner une fois de plus un peu plus loin nos équipes. Alors bonjour, moi je m'appelle Cyril Deléval, je suis un des coachs de Genilem. J'ai la chance et le plaisir d'animer aujourd'hui un atelier sur le business plan. C'est essentiel pour ces équipes de faire un business plan. On sent qu'elles ont énormément d'idées, elles ont envie d'adresser à ce problème de notre planète et des océans. Et un business plan, ça les ramène un tout petit peu à la réalité et ça les oblige à se confronter à cette réalité et de le faire de manière structurée avec ce business plan. Que ce soit Genilem, qui est donc une association à but non lucratif où on travaille avec des startups innovantes, ou moi-même, on est ravis d'être ici. On est ravis de prendre part à Pangaea parce qu'on pense que les entrepreneuses et les entrepreneurs sont les meilleures personnes pour adresser les problèmes de la planète. Et du coup, là, c'est un exemple concret. Pourquoi faire un business plan ? Il y a la prévision financière et puis effectivement, voir un petit peu quels sont les risques. Quantifier les ressources qu'on va avoir besoin pour mener à bien le projet sur le long terme, sur le court terme. Trouver des investisseurs. Ça permet d'abord de clarifier vos idées. Vous avez une idée, un projet, etc. Le fait de faire un plan où effectivement, tu vas décrire l'environnement, tu vas décrire ton entreprise, tu vas décrire comment tu vas exécuter, etc. Ça permet de clarifier et très certainement aussi de hiérarchiser les actions à mener. 5 minutes pour décrire votre business model. À vous. On peut être dans le gaz, mais je pense qu'être plus compréhensible. Ça va? On va dire de retour. On va dire fond. On va en parler forcément, mais j'ai bien vu qu'on apporte à la nature. The thing is also what we bring to the clients. Pêcher de façon durable et efficace. Je suis complètement d'accord. Économie circulaire, du coup, ça raconte comme un mot. Après, concurrence. Problème identifié. Les attentes vis-à-vis du lecteur. Est-ce que ces trois business models fonctionnent? Et puis sur lequel vous allez avoir le plus de fractions. Là, je vois que ça a vraiment marché, quoi. C'est vraiment tous, ils ont des super sources, vous les en avez mis. Je pense que la confiance, oui. Vraiment, c'est un truc de fou. Je pense que c'est vraiment la particularité de ce programme. C'est votre énergie, votre capacité, votre trademark. Mm-hmm. C'est vraiment leur amener la confiance de le faire. Et puis, je vois vraiment, là, je pense que ça va être solide. Ouais. Pas que les vainqueurs, je pense que les cinq là ont vraiment de l'or. Je m'appelle Quentin Galéa, je suis chercheur et chargé de cours à l'EPFL à l'Université de Lausanne. Ma spécialité, c'est les statistiques et la causalité. Quelque chose qui est absolument central dès qu'on parle de n'importe quoi pour mesurer l'impact de ce qu'on fait pour pouvoir le prouver. Il va falloir faire en fait des statistiques. Et principalement, quand on parle d'environnement, c'est absolument clé. Pour sortir de juste du discours, des belles paroles, on doit pouvoir amener des éléments de preuve. On doit pouvoir mesurer ces choses et c'est exactement mon rôle ici, c'est de discuter de comment le faire. Donc je suis déjà venu au premier workshop, vraiment au kick-off, où il y avait 10 équipes, aujourd'hui plus que 5 équipes. Et la chose la plus
fascinante, la plus impressionnante que j'ai vue, c'est vraiment l'évolution de ces projets. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'unique et qui montre que cette étincelle, elle peut aussi venir de l'extérieur. Elle peut venir de ces cerveaux qui sont pas du tout formatés et qui pensent différemment. Et je pense que le potentiel qu'il y a ici est absolument impressionnant et je me réjouis de voir le résultat. On va faire beaucoup d'hypothèses là. Il va falloir vraiment tester ça sur le marché et c'est exactement ça. C'est qu'il y a un moment en fait, les mots, le pitch, votre logo, votre idée, c'est bien, mais si on veut que les personnes vous suivent, si on veut des investisseurs, des institutions, il faut soit pouvoir amener des éléments de preuve que ça a marché, quantifier votre effet, soit au moins savoir comment le faire, leur expliquer dans quelle direction vous allez faire. Et pour ça, surtout quand on est en environnement, il faut justement prouver qu'on va dépasser les belles paroles. Si tu vas voir les investisseurs maintenant et puis qu'ils disent mais du coup c'est quoi votre impact, tu dois vendre quand même, ça fait aussi partie du côté marketing, tu dois pouvoir vendre un produit, enfin une plus-value derrière, tu vois. En fait le but c'est de vraiment partir sur un projet pilote, avoir un suivi scientifique sur plusieurs années, parce qu'en fait ça prend quand même du temps à se développer. Même la fabrication des billes, la transformation du pétrole en petites billes et ensuite la transformation de petites billes. Non, ça c'est la matière naturelle. Quand tu l'achètes, ta matière première, ta transfo et tout, tu l'obtiens sous forme de petites billes et après tu. Oui, pour les fabricants. Ouais. Mais au départ, il faut aussi fabriquer les petites billes. Oui, et ça rentre en compte. Decent work and economic growth. Ah bah ouais, carrément. Ouais. Forcément, le marché ça va pousser. Alors peut-être par la suite, par inertie, ça va pousser le marché de la consommation de poissons à s'aligner justement s'il y a une réduction de la pêche illégale. Je pense que c'est des bons points. Je pense que ça se discute qu'est-ce qu'on mettrait en particulier. Mais je pense que là où c'est le plus important, le temps dégradabilité, c'est la compréhension avec la pêche fantôme. C'est vraiment lié. Le fait d'utiliser les zones de protection marine, genre les MPAs qui sont très protégés et les effets de débordement, ça c'est étudié, tu vois. Moi je fais la CV juste de l'extraction de la matière première jusqu'à le produit vendu et après la fin de vie, tu vois, ou juste là sur la fin de vie. Ça c'est le point de départ. On est dans la zone d'impact, on parle d'impact et donc on se concentre sur quels sont les sustainable goals qui sont pertinents pour chacune des équipes. Et après, on fait par rapport à ça, on les priorise et on commence à tester les hypothèses pour voir comment on peut avoir de l'impact sur celles qui sont identifiées par l'équipe. Eux, ils sont tellement organisés, comme c'est bien écrit sur la petite feuille là. De l'impact sur l'eau, ouais. Sur le matériau. Ça c'est fait. Je te parle un peu du chanvre. À l'époque, justement, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, pardon, le chanvre était en plein essor, tout le monde voulait du chanvre, tout le monde s'y intéressait. Mais il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui a pété et l'essor du plastique aussi qui est venu. Et du coup, tout le monde s'est tourné vers le plastique et le plastique est un peu devenu la matière un peu miracle, la matière du futur. Et maintenant, on se rend compte que le plastique, finalement, c'est pas si bien que ça. Et du coup, nous, on veut remettre le chanvre au devant de la scène et montrer que c'est une super plante, une super fibre, la fibre la plus résistante au monde et avec des propriétés physiques super importantes, super intéressantes. Et du coup, les pêches, on va le faire à partir de ça. Cette première journée, ça va être aussi un moment de détente cet après-midi. On va leur faire faire des activités. Et puis demain, un peu plus challenging, mais ça, c'est demain. Comment tu t'appelles ? Alexandre. Maximilien. Nous, on est là dans le cadre d'un projet qui s'appelle Pangaea. Dans ce cadre-là, on a chacun une idée pour aider à restaurer la biodiversité. Nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est mettre un réel récif, en fait, vraiment fabriquer tout ça, le mettre à la base des structures. Estamos españoles, estamos a la tour des... Attends, c'est quoi le nom ? Elle a un nom trop chelou. Tour de Sauvalbin. Tour de Sauvalbin. Nous sommes à la tour de Sauvalbin. Il y a environ 1737 marches ici pour aller gravir jusqu'en haut de la tour, qui fait plus de 100 mètres de haut. La tour Eiffel à côté, c'est rien du tout. Voilà. Merci Stéphane Bernard. Premier en haut. Et après, tu as du bois, tu as plein d'autres matériaux, mais nous, on aimerait bien partir sur des biomatériaux, c'est clair. Après, c'est vrai que le béton, c'est un peu un terme environnemental, c'est pas le mieux. Et voilà, nous, c'est ça notre idée, on a chacun des idées différentes, et voilà. Et là, on vous pitue notre idée, parce que. On a envie de partager à tout le monde. Maïtan, président. Ouais, ça, on aime.
Alors nous, on est une équipe responsable. On est. Ils sont en bas les vélos. Ouais, on a pédalé, regarde. Ça se voit là, non? On a chaud, je t'avoue là. Moi, je vois des vitres teintées de Audi Q2 à la limite. Ah bon? Ouais, ouais. Bah, elles étaient teintées, tu voyais pas grand chose à l'intérieur. J'ai vu les gens rentrer. Non, t'as dû tromper. Est-ce que c'est à la caméra ça? Tu le vois pas? T'es sûr? Oui. Certain. Tu l'as à la caméra? Tu les as? Ouais, je les ai. Non. Je sais pas qui nous avait pris en train de monter. Vous avez été vite à pied là, vous avez couru. Bah tu sais, on a couru très vite en marche arrière et on a pu poser des questions aux gens même. Ouais. Du coup on a fait un café et sur la en même temps on a fait. Vous avez fait ce petit rite? Hein? Ouais. Ouais. Ce petit rite? Ouais. Pour tout le truc. Maintenant tu te retrouves. Je te voir. Là il y a des marches. Ouais, c'est bon pour là. Putain, encore des marches, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette ville? Faut quand même descendre hein. Là, ah, c'est un tout droit. C'est un tout droit là. Ok. C'est pas du tout par là je crois, non? Il y a une petite porte là, mais Ouais. Là je vais regarder ouais, sur la map. Ouais, ça doit passer, hein. Tu regardes sur la map, au coup. Ouais, je suis pas sûr que tu vois ces escaliers sur la map. Elle est clairement... Non, c'est par là-bas. Ouais. Mais ils sont filmés? Ouais. Il y a des cafés. Ah, là, on va se faire payer le café là, ouais. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous connaissez MyCorn? Oui, oui, bien sûr. On fait partie d'un projet que MyCorn a lancé qui s'appelle Pangaea X. Ok, cool. Et on a, en gros, c'est trouver un projet innovant, le développer pour préserver la biodiversité, préserver les océans, etc. Et on a des petites activités à faire, des petits défis. Oui. Et parmi un de ces défis-là, on doit se faire offrir un café. Ok, je vous offre plutôt une limonade, ça va pour vous. Merci beaucoup. Et voilà, c'est excellent. Merci bien. Ouais, c'est bon filmé ou pas? Ça fait vraiment plaisir. Petit combo. Merci d'ailleurs. Heureusement, j'avais un petit short, moi je me vois mal. Bonjour, merci beaucoup. Ouais, merci en tout cas. Attends, allez, 15. Je vais vous taquer. D'accord. Ah ouais, tu m'étonnes. L'eau à Lausanne est très pure. S'il vous plaît. Il y a l'accordéon en plus à côté là, c'est incroyable. Je vais aller me caler à côté de lui. Oui, merci. Bonne journée. Yes. Du coup, nous notre projet c'est Oyster, c'est de sauvegarder des écosystèmes marins. Et donc l'idée voilà, c'est juste d'implanter un récif artificiel à la base d'une éolienne. Et du coup en fait l'idée c'est de essayer de créer un intérêt économique à ramasser les déchets. C'est un défi, t'inquiète. Malheureusement nous sommes perdus, on cherche une éole. Certains n'ont pas le vocabulaire pour le mot éole, dont moi. Après maintes concertations et d'admiration du paysage, on s'est rendu compte qu'une éole est un endroit où on met des drapeaux. Vous allez en bus? Et vous avez des tickets? This nice chopper is taking us for free in the bus. Wow! 3 kilometers and a half! Oui, ben ça va. On est arrivé, il y a une heure. Oh, regardez comment il est énervé. Bravo les derniers. Allez. Vous êtes arrivé il y a bien longtemps que là. Tout le monde est bien arrivé, donc au bord du lac de Lausanne, au parc du Bourget, pour un gros barbecue préparé par la maman d'Emma, avec plein de bonnes choses. Et demain, on se retrouve pour la table ronde et la séance de mentoring et de financement avec Nathalie Cadi. Oyez, oyez. En fait, nous, notre pitch, c'est Bionet. Bionet, un filet de pêche. 100% biodégradable, fait à partir de matières naturelles. Et en fait, ça pourrait permettre d'éviter la pêche fantôme, les microplastiques déversés dans les océans, et surtout, ça permettrait aux pêcheurs une utilisation inchangée et un prix réduit. Voilà, tout ça dans le cadre de Pangaea X, un projet mené par MyCorn, un super aventurier, super connu. Bravo.